Donc on est parti pour... Welcome home, Jin. Hey, Akos. I hear the Aegis awakened. Nasty shock for you? Or was it? Of course, my script showed how everything would play out from the start. Sure, you say that once it's all over and done with. It's easy to act smug when hindsight's on your side. Shut your mouth, Abrona. I'm shaking to my core. Where are the other two? Mikhail's inspecting the Ardanian factory. And my beloved sister is out hunting, as always. I'm sure she'll have found plenty of drivers to chew up and spit out by now. She likes to hunt, all right. Not sure we can use all of those core crystals, though. Do we know where the Aegis is right now? Have no fear, Jin. Of course we know her whereabouts. Abrona? Yeah, yeah. Hmm. It seems they're currently traveling away from the urban area of Gormont. Leaving the town? But there's nothing out that way. Perhaps they're on their way out of Gormont itself. Oh, and... What? It seems a certain shipment has set out. The core crystals heading to Indol for cleansing, huh? How pious of them. Shall we handle them? I can deal with that myself. You concentrate on the Aegis. Understood. Well, I am looking forward to clapping eyes on the Aegis. By the way, what of Nia? You know where she is? Yes. Look, this dot here. Without a doubt, this is Dromark's wavelength. It seems they're traveling together with the Aegis. With the Aegis? Huh. Do as you see fit. Understood. You don't need to ask me twice. Right then. We're gonna take the Monoceros. As you wish. Hey. Don't do anything too reckless. What is that? A Cloud Sea compass. A must-have for salvagers. It's sort of a map of the Cloud Sea. If you do this, and this... What's the date today? Amathotober 5th, 4058. Okay. So now we put the date in. See? Oh, this is very clever. Looks like Gormont. Is the closest country to the World Tree right now? All we need is a ship. The army has every ship in town in its grip. We're kind of stuck. Seems that way. Sorry, I'm no use now. I know. But I'm all out of ideas. Rex needs ship? Tora, have good idea! You do? There is shipbuilder living at Gormok Titan's Bum Bum. Old friend of Tora's Grampypon, he called Umon. Maybe he help if we tell him what's what. Sure, it's worth a shot. Let's get going. Ok, on est reparti. Donc, Wasabi qui a parlé. C'est terrible, je me retrouve dans la même situation que toi. Je voulais arrêter moi aussi, il y a de ça deux. Bonsoir, pas ça. Bonsoir à toi aussi. Et bienvenue sur le live.
T'es sur le jeu aussi? Dis-moi, Tora, il n'y a pas de mariée là où... pourquoi Rex, c'est vrai que tu demandes? Il m'a semblé que la mer du nuage était plutôt basse quand on est parti de Souvenir. C'est encore le cas? Merde. Faudra pas qu'on soit obligé d'être improvisé à notre itinéraire à cause d'une mariée haute imprévue. Rex a raison, il faut toujours prendre en compte les fluctuations du niveau de la mer du nuage quand on voyage. Parfois, celle-ci permet de nager vers des endroits auparavant inaccessibles. Mais à d'autres moments, certaines zones peuvent se retrouver inondées, stoppant net le voyageur mal préparé. Oui, voilà, c'est pour ça que je m'inquiétais de ce genre de détails avant de partir. Logique. Les Regress ne faisaient pas mon chemin vers chantier naval, ils m'ont pas affecté par marée. Si les chantiers n'avaient pas été accessibles qu'à marée haute, ils auraient été bons pour faire de tests. Alors, pourquoi cela aurait été promis? Finalement, je n'aurais pas dit non à un bon sommeil réparateur dans un petit auberge. Bah, mais putain, oui, l'auberge, faut y aller. Mon casque est très bien, Rex, mais on a vu plus confortable, soit dit sans vouloir te. C'est bon, j'ai compris. Tu pourras toujours t'allonger la prochaine fois qu'on aura l'auberge de Torrigos. Tout à fait, mais pour l'instant, direction chantier naval du Mon. Et avant, maintenant qu'on a une équipe complète, on peut s'entraîner, aller à l'auberge et faire les quêtes. Alors, vous pouvez choisir un repos de longue durée dans les lieux de repos. En tout cas, lorsque vous réveillerez la marée de la mer, là, je serai foutu. Yep, je suis sur le jeu aussi, j'ai commencé Day One et je l'ai pas lâché depuis. Moi... vas-y, Vicky, je sais que j'ai montré dans les autres épisodes, mais je vais la remontrer. Moi, si tu veux, l'histoire où... parce que le premier, j'ai pas joué du tout, la Wii U, j'avais pas. C'est, j'avais lâché la Nintendo, jusqu'à la Switch sorte et j'ai eu un gros coup de cœur parce que il est énorme. Je joue en mode portal et bon jeu. Je dois être. Ah ouais! Ah oui, t'es plus loin! Et bah, du coup, tu peux me donner des conseils! Mais c'est parfait! Hein, surtout qu'il y a un putain de gorille niveau 83 qui se balade dans le coin. Ça, je suppose que tu vas paniquer aussi. À un moment donné, je me balade et tout. On était mardi. Voilà. Je me balade dans le magasin où je travaille, hein, tout cas, hein, voir les mecs en vente, et il me fait « Ouais, est-ce que tu vas prendre Xenoblade Chronicle 2 ?» Je fais « Ah, je sais pas, apparemment le premier était énorme et tout, après je sais pas, je connais pas trop et tout l'univers. » Il est génial. Et ouais, et j'ai entendu parler d'un collector et tout, au moins des fois, tu as un petit collector et je savais qu'il était à 100€. Mais si, on peut te le commander à 85. Et du coup, ce petit à la boîte avec alors le problème c'est que du coup ça c'est pas rattaché derrière la boîte, ça s'enlève tout seul, c'est un peu con. Il était attaché avec le blister. Du coup j'ai le petit artbook, je me suis fait chier à faire les photos, les pages pour voir de temps en temps montrer les photos. Je vais en choper une photo et on va regarder quelques. Bon, du coup, la boîte du jeu comme tout le monde. Avec. Ça fait plusieurs fois dans le live que je vous montre. J'ai envie de vous montrer. Et c'est beau. Bah tiens, c'est quoi? On va choisir une. Voilà une des pages, justement on l'a combattu il y a pas longtemps, bah tout à l'heure. Et j'ai déjà oublié son nom. Mais voilà, c'est une des pages d'artbook. J'ai essayé de prendre les plus nettes possibles, le mieux possible.
C'est beau. Moi, de temps en temps, j'ai envie de vous montrer des poches. Je crois que j'ai eu une page de Argo avec le titan là-dessus. Brigir, je crois le mot. Ouais, ça doit être ça. De toute façon, c'est quoi? Je crois que j'ai mis directement. Morag. Alors, Morag, c'est la, c'était la meuf. Celle-là. Ça. Belle. Udid. Ouais, t'as raison, c'est bon, c'est ça. Pardon pour la lenteur de mes messages, j'ai fait ça entre deux combats. La collector est vraiment belle. N'ai pas hésité, moi aussi. Ah, tu l'as aussi? Ah, putain. Et surtout pour 100 euros, franchement. Enfin, du coup, je l'ai payé 85. Mais du coup, je suis un coup. Mais surtout, sois pas désolé sur le temps que t'envoies des messages. Tu envoies les messages quand tu veux. Hein. Parce que c'est sûr, quand t'es un combat, genre, tu te bats combat contre un gros monstre et tout unique, par exemple, tu vas pas. Non, attends, je vais mettre sur pause, je vais répondre. Juste un peu deck qu'on n'ait pas eu la couverture rigide comme le collecteur US. Et on a plus de belles boîtes nous. Ah mais. Et tu vois le collecteur encore, tu regardes et tout. Franchement tu poses ça, ouf, en décoration avec la boîte. Mais bon, c'est un peu dommage que ça, ça se balade. Bon. Et là le steelbook, c'est le plus beau. En vrai c'est mon... Allez, on va dire entre guillemets troisième collector, parce que mon premier collector entre guillemets c'est plutôt le pack Halo 5 avec la Xbox One. Halo 5, la console de Xbox One Halo 5. J'ai pris l'ultime collector de FF15. Avec la figurine et tout. Vous voyez... Et là c'est mon troisième collector que j'ai acheté. Ah, depuis que je bosse, moi je me dis allez vas-y, je prends un collector. Vous pouvez choisir un repos de très longue durée. Hein. Ainsi, si un lieu est inaccessible à cause de la phase de la marée, vous pouvez aller vous reposer au bon moment, même si vous n'avez pas envie de dormir. Contre la marée de la mer, des nuages à chaque repos de longue durée, pensez d'abord à vérifier l'état de la marée et de l'information environ. Attention, si c'est un lieu de repos à Dresde, offre pas la possibilité d'effectuer un repos de longue durée. Et vous en trouverez à Oidos, une ville. Elle est affectée par les fluctuations de marée mer de nuages. En tout cas, c'est cool de pouvoir qu'il y a un mec qui joue à Xenoblade et qui regarde des lives avec Xenoblade. À mon avis, ça m'arrive aussi. Il y a un jeu que je kiffe. Par exemple, Evil Within 2, j'ai fait en live et tout, j'ai joué. Et des fois, je regardais les plays pour voir un peu les avis de comment s'en sortent les autres et tout. Sympa, ça, je Attends, je suis. Ok, la ville est là-bas. On va retourner en ville. Pour l'instant, j'augmente ma confiance le plus possible de ce personnage. Enfin, de cette madame. Tiens, ouais, on va regarder un petit coup d'œil. Enfin, est-ce qu'on peut améliorer? Add quelques points. Ça. Avec arme assez bien. On en est 900. Nice one. Et accessoire là. Ouais bon, porter longtemps. Hop.
You know me well. Quoi, modifier l'arme. Oh, selon le fragment. Le design de l'arme. Tu regardes, on en est où? T'as appris. Vous avez accompli une prouesse, une compétence a été apprise. Ah oui, mais j'y pense, toi, elle, elle est spécialisée en créature volante plutôt. Oh putain, il me faut. Elle, elle est plus. Les ennemis. Bête. On va bien choisir les lames quand même. Donc attaque volante, je prends les points, et attaque monstre bestial, je prends Pyra quoi. Le pompine, ouais c'est... Non, c'est... Poppy's skills have increased. Bah tiens, toi qui as avancé dans le jeu, je voulais poser la question. Et, par exemple... Avec quel... C'est genre, utiliser les charges thermiques, explosion des appuis, c'est plutôt quoi ça? Les techniques que j'utilise dans... Quand je regarde les attaques... Pas vraiment... Ah, ce serait peut-être les attaques spéciales. Attaque du... Peut-être ça aussi. Oui, je peux t'apprendre des choses. Oui, ouais, donc... Ouais, y a les arts, de toute façon, il y a que trois. Tu peux pas prendre une autre technique, changer de technique. C'est vraiment les trois techniques plus l'attaque spéciale. Donc de niveau 1, 2, 3 jusqu'à 4. Ah, mais non, mais maintenant que je me dis charge thermique et tous les conneries, ça doit être les attaques spéciales de niveau 1, 2, 3, 4. Enfin, non, le niveau que j'utilise. Ça doit être ça, je pense. De toute façon, on va vérifier ça. Si je peux monter à 60 d'attaque, bah... Tu vois, si j'affiche l'arme en question, et depuis les stats, tu changes l'onglet R et L pour les arts, ces charges thermiques. Faire plusieurs fois. Ouais, c'est ce que j'ai vu, il faut le faire plusieurs fois. I grow ever stronger. I feel I am learning a great many things. Voilà, c'est ça. Tigre enragé, lame de fond, rugissement féral, donc. C'est-à-dire que si je. Ah, donc oui, ok. C'est ça, charge thermique, explosion des appuis, coup éclair. D'accord, c'est les arts spéciaux. Donc, dans le sociogramme, faut que je fasse encore 4 charges thermiques. 4 charges thermiques, donc les attaques de niveau 1. Ça, c'est les attaques spéciales de niveau 2. Et après, il faut que je monte ma confiance. Ah, et... Trouver un certain nombre d'objets de type légumes différents. Et avec Pyra. Où je fasse. Les révolutions. Ça va être une technique spéciale. Relever les alliés évanouis. Enfin, je vois qu'on a une manière similaire de jouer. J'ai tendance à beaucoup farm l'affinité de mes lames plutôt qu'avancer dans l'histoire. Ah non, mais t'es obligé. Eh, mais attends, tu sais que. Attends. C'est, je sais pas si t'étais là, mais. Bon, je me suis baladé. Ce coin-là. Tu fais violer.
Là, j'ai juste avancé l'histoire pour me dire, on va récupérer Nia. Il y avait la lame artificielle, donc je me dis, bonne équipe de 3, ça peut faire l'affaire pour continuer l'histoire. Je me voyais mal entraîner que Rex, alors que je pourrais récupérer les 3 persos, après entraîner une personne. Parce que, attends, à un moment donné, tu te balades comme ça, genre, le premier monde, j'étais retourné, tu sais, quand j'étais venu ici, on pouvait retourner au premier monde, enfin, au premier endroit. Qui est... qui est Argentum, tu vois. J'y suis allé, j'avais un point de pêche, un point pour récupérer les trésors, et je me suis retrouvé à commencer au niveau 23. Et même un niveau minable, quoi, à ce moment-là. Just... Okay. Bring it on. Ah, j'aurais dû prendre... merde, Pyra. Bah, on va monter, de toute façon, je vais monter les malames les plus faibles, comme ça, c'est plus rapide à monter. Je peu importe, c'est un type bête et tout, c'est efficace, etc. Je vais monter d'abord Tamayori. Comme ça, c'est fait. Et du coup, des fois, il faudra changer de personnage pour. Pour essayer de contrôler un peu mieux ouais, pour utiliser les arts spéciaux et tout pour... pour utiliser les arts spéciaux pour apprendre voilà c'est là. Allez, on se fait un peu d'XP. Et franchement, au début, j'ai trouvé le gameplay chelou en mode. Et après, quand tu vois que t'as tout à surveiller, tout, tu dis forcément que ça attaque tout seul parce que t'es pas. Tu dis, ah, vas-y, on attaque et on pense à autre chose. Tu essaies d'anticiper, de dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'il attaque. Pour les attaques feintées, faire au bon moment les combos. Je pensais pas qu'il y avait une chose là. Là, je te le dis, pour moi, c'est le meilleur jeu de la Switch que ça. On va quand même retourner en ville. Ok, attends. Il est là-bas, bah tiens. Ok, peut-être qu'il va m'attaquer sur. Watch yourself, Bricks. All right already. Non, c'est vrai qu'il me manque une bête. Parce que c'est pas bon. Oh, t'as que Rex ici. Quel blog, quoi, ça. Hop, donc t'avais dit quelque chose. Le moins intuitif pour beaucoup, c'est de beaucoup bien patienter avec les barres d'état posées par les spéciaux et c'est là pour recharger des arts et soit se préparer des combos supérieurs. Ouais. Oh le pauvre.
Les head. Paul Snow veut le croquer tout nu. Tu vois bien? Dora va aider, ce sera facile avec un mi-pont. Hein, un mi-pont vient aider? Ouais. Merci un mi-pont. Vite, chassez le vilain Wolf Snows et protégez le marchandise. Marchandise contient un truc important, une minute compte sur un mi-pont. On l'occupe. Une note pendant. Belle quête. No! We lost the upper hand! Tiens, ah j'ai. Des fois je suis trop patient pour attaquer des moments. Ils ont nerfé les voix, je crois que c'est ce que j'ai. Master Pon, Poppy's right arm is malfunctioning. Hold on, Poppy! Master Pon will fix it! On a fait ce qu'il fallait. Mais... Il y a eu chaud, merci à Mipon. Il est soulagé que marchandise soit attaque de Kunki. D'en savoir plus. Hein? Mais Mipon veulent savoir ce que c'est marchandise. C'est un stock de fond de veloutin, des mélanges de la sève et plein d'autres produits. Mini transporte à Talgot, cargaison de produits cosmétiques gormotois spéciaux. Je vois. Si Ami Pont pas intervenu, gros monstre aurait boulouté précieuses marchandises. Et pour remercier Ami Pont, Tumi, pardonne, j'ai échoué. De toute façon, Tumi n'a rien d'autre à offrir. Merci. Non, non, c'est Tumi qui remercie Ami Pont pour leur aide. Parfait, accompli. Et du coup, là où t'en es, il y a vraiment beaucoup de lames à contrôler, Yu. On revenait sur nous. Ah mais attends, je suis pas allé chercher. Attends, c'était. Quoi? C'est une quête comme ça que je suis passé à côté? Just so. Merde, putain, c'est une quête. J'ai pas encore entendu. No effect. Grip steady. Drill. Ram slap. Make haste, everyone. Like your opponent. Jump it down. Spinner. Tiens, on fait ça. Much obliged. Steady. I wasn't planning on losing today. Yeah. Une attaque et on enchaîne une bonne arme. La même ligne, on a dit après notre côté. Donc maintenant, après, on attaque avec une. Chaque membre de groupe peut contrôler jusqu'à 3 lames, quoi. C'est pas mal de combos possibles. Ouais. Ah, mais sinon, il y a tout le monde qui va se friter un peu. Ça va être pour pique de vous. Brissement feral. Ah oui, Kikong, je voulais le titiller, et quand j'ai vu son niveau 83, il m'a fait. Bon. Après, il doit y avoir une trentaine, quarantaine de lames uniques, genre Pyra et pas les lames communes. Ah oui, parce que attends. Parce que là, t'es en train de me dire que t'as 40 lames uniques pour l'histoire. Enfin, 40 lames uniques spéciaux, je veux dire. Et t'as les lames communes comme j'ai là. Si que tu peux avoir en temps normal, des petits trucs comme ça par-ci par-là. C'est pas terrible quoi. Come out, come out. D'accord, donc ouais, t'es t'as une tonne quoi, tu t'en finis plus. Du coup attends, je vais voir. Fighting's what I do best. Ouais, c'est une compétence qui a été apprise ou améliorée.
Mais du coup, pour l'améliorer, il faut juste que je joue seul et tout, faut que... Enfin, de temps en temps, pour améliorer ces compétences-là. Ou... Enfin, ça vient tout seul ou ça... Faut faire des trucs... du coup, faut que je... Encore 10 charges terminées. En train d'accord, ok. J'ai compris le truc. Non, bon, on va embêter celui-là. Watch yourself, Bricks. You put your feet up over there. All right, Gramps? No, you got it. Great. Ha! Ha! My thoughts exactly. Spinning! Cutter! Ha! Brick! Steady! Gramps, smash! That just makes you so hard. Bullet, put it. Alors, pour améliorer ses affinités de combat, oui, tu seras obligé de l'utiliser. Pareil pour faire grimper sa confiance, donc débloquer les prochains paliers. Par contre, t'as des branches vertes, souvent de la découverte, ramasse d'objets, compétences de terrain, et la branche jaune qui peuvent se faire sans former jouer l'épée. Par contre, faut forcément l'avoir assimilé à un pilote. Désolé, putain de crève. Ah, j'ai vu que. Avec Miss Tamariori, genre celui-là, il faudrait trouver un certain nombre de légumes différents. Hé, n'approchez pas, j'ai dit n'approchez pas. Ah ok, il est vraiment perché. Oui, mais... Crève, vaut mieux que je mouche d'un coup que maintenant de renifler. Ouais, je suis mort. 3 heures à travailler dehors, des putains de viande, con. J'en ai râle, t'as plein de voitures qui passent quand tu m'avances ma télé. Écoutez, donc, je sais pas si tu veux avancer, mais tant qu'il arrive, t'as une voiture qui s'égare. Bon, je vais pas faire le combo, comme ça je vais je les enchaîne tout de suite comme ça. J'augmente les compétences pour l'âme. Splendid. Go on, raise us some more. Là déjà, on va ainsi bon, tout disparaisse. Come out, come out. Et puis. Tora et Amipon ont fait beau boulot. Oh je, merci beaucoup. J'étais tranquillement en train de ramasser du billard Discord quand je suis tombé sur ces monstres. Heureusement que je suis pas un pro de. Que je suis un pro de l'escalade. Alors en fait, papa a dit quoi? Oh, je ferais mieux de terminer Fissa. Je suis venu faire ici et rentrer à la maison. C'est ok? Ne disons rien et voyons comment la situation évolue avec l'intervention de Poppy. Je crois oui, je vais sans doute pouvoir. Aïe. La cheville, je me suis foulé la cheville. Ça, c'est la grosse tuile. Sans lire Discord, papa et marron, amener ses meubles. On va vous aider, ça ne devrait pas être un problème. Vous pouvez nous aider? Cool, merci. Il nous faudrait encore. Donc avec 7 morceaux de lumière Discord, on va... Non, quoi de...
Si vous voulez chercher pour les arbres, vous devez en trouver. Ok. Merci pour votre aide. Okay. L'arbre, comme ça. Hop. Va titiller tout le monde. Watch yourself, Rex. Just watch this. Quietly. Barrel up the cut. Ah, I missed. My thoughts of Zapper! Ha! Great ground smash! Let us make use of it! Push. Please leave it to Dora! I gotcha! So tell me, what's your body made for? Poppy could tell you, but then Poppy would have to kill you. Ready. Oh. Des arbres comme celui-là, ça va le faire affaire. Non ah non, mais ça c'est obligé. Ah, point de récolte, ça doit être ça, par exemple. C'est une... Ah ouais, ça se trouve, on n'aurait pas eu l'autre. Pas pu récolter les trucs comme ça. What have we here? C'est bien dans les points de récolte qu'on récupère ce qu'il nous demande. Un putain d'arbre. Mauvaise idée. Ah, peut-être ici. On récolte. What have we here? Flora heals an aching soul. Il récupère que des fruits ici. What have we here? Okay, time to take you down. There! Go get him, Rex. Blow him down. No, you fight. Ha! Ils ont 7 personnes qui est là sur le... Elle voulait pas que tu tombes ce soir en fait. Non, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui viennent et tout. Ça permet de faire découvrir le jeu. Enfin, même. Avec des fois plus on avance que moi. Enfin, c'est sympa quoi d'avoir un peu les mêmes qui viennent derrière. Non, j'ai même pas fait gaffe. Je suis violé. Ah oui, je comprends mieux. J'avais pas vu. J'avais pas vu ce truc.
Je me disais, c'est bizarre, putain, on meurt trop facilement d'un coup. Putain, on est niveau plus élevé. Ouais, bah oui, je me suis fait buter. What have we here? Okay, bring it on. Ah, mais les monstres niveau 83 qui se baladent et tout, qu'en train de te battre, et lui il arrive, boum, il casse la gueule. Et gratuitement quoi. Ah non, c'est pas le cas, je commence à pousser. Oh, j'ai envie de dire merde. Donc, bah maintenant, faut que j'apprenne les expériences. Ah, on est bientôt à 400, mais ça va être... Ça va être cool, j'ai peur de jouer. Oh, mais j'ai recul. Come out, come out! Pas ce qui m'intéresse, c'est ça. Hop, hop, hop. What have we here? Oh le... En bas. Ah bah oui, évidemment, je... Là où... This will be a walk in the park. Tora eat enemies like this for dinner. Oh my God. Come out, come out. Flora heals an aching soul. Côté des arbres, à côté des arbres, alors, les arbres géants ou les arbres normaux? Tiens le... Come out, come out!
Qu'est-ce que j'ai, hein? C'est la pierre qu'on va récolter. Deux heures là. You're all mine. What have we here? Par contre, j'ai un 7 dans les niveaux. Oh, je squatte. Hein. Ça va être. Ma parole, c'est bon, il y a un T-Rex. Bon, terre là-bas. Que la botte à niveau 30. Oups, that wasn't supposed to happen. Embêté. Oh mais non mais. Pourquoi tous ces gros monstres qui embêtez pas. Ne embêtez pas. Un trésor ici, on y go tout de suite. Come out. Poisson monte. Ah si, poisson monte, j'en cherchais par contre. La tarte. It is new day. Gentil, putain, on peut en trouver facilement pour plus tard. Bon, putain, vas-y. 26. Ta gueule. D'arbre, pour les arbres. Des démons que je tue. Non, le mec est pas envoyé pour tuer des démons quand même. Mais pour récolter. What have we here? C'est pareil, c'est le même truc. Ah, eh, je vais peut-être faire ma revanche contre lui. Vas-y, on va tirer. Un hit. Lui, il m'avait niqué, mais j'avais pas une bonne équipe. J'avais pas une équipe complète. Let's show him a thing or three. Make sure you got my T-Rex. Yeah. Feral uppercut. Ha. Yeah. Great. That's firing. I like your attitude. Violet. Allez, on met ta phrase toi. And hit! Put your best foot forward, Rex. Mind you don't fall out, Gramps. Yeah, you shuffle. It'll be fine. We can turn it around. Blow him down! Spinning! Ah, on se le fait, on se le sent bien.
face can retreat. Like your last smash. Poppy's spinning slash. Thanks for the support. Évidemment, on va faire des attaques dans les vidéos. Stop. Un homme à la compétence en même temps. Tellement reculé, on va se trouver avec un autre truc. J'arrive à faire mes trucs. Un petit peu de petit bar. Attaque bête. Et non, les attaques sont faites. Oh, super, oh, super, oh, super. Ah, du coup, qui intervient. Bien, ça me fait chier, je trop repousser aussi. Oh, j'ai pire, ça. On va finir le groupe, c'est bien tout fini. Ça c'est les attaques qu'on peut jamais d'attaquer sur les ennemis. C'est bon, putain, on l'a eu. Why not? Defense protocol activated. Let us make use of the spinning cutter. Here goes. Thanks for the support. Gotcha. Right there. Bullet point. Let us make use of it now. Why not? Cutter. Les loups avant qu'on les perde. Parfait. Intégrité. C'est nous, c'est est. On va sauvegarder un petit. Tac, comme ça pour le rediff. Là, mais on continue toujours de la vie. Mais du coup, comme il y a un peu de monde, on continue à la vie. Je comptais m'arrêter encore. Je vois qu'il y a toujours un peu de monde. Par contre, je vais les pisser.